Bonjour YouTube, bienvenue pour ce 23e épisode de Sonic Heroes. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Puisque nous commençons la Team Chaotix, qui est donc la dernière team que l'on doit jouer du jeu avant de pouvoir accéder au dernier scénario, donc au boss final, final. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc comme je l'avais déjà à peu près expliqué, la Team Sonic c'était difficulté normale, Dark difficile, Rose facile. Et la Team Chaotix c'est juste que les objectifs dans les niveaux ne sont pas les mêmes que les autres. C'est-à-dire que tu dois pas juste foncer tête baissée jusqu'à la fin du niveau. Tu as souvent un truc genre trouver tel truc dans le niveau, finir le niveau avec tel ou tel machin. Je crois que t'as même un moment où tu dois finir le niveau avec une centaine d'anneaux. Celui-là il me fait un peu peur, parce que je sais plus sur quel niveau c'est, donc on va le découvrir. Mais si c'est sur un niveau où tu prends facilement des dégâts, ça va faire mal. Team Chaotix du coup. Par contre c'est chelou de voir que les Team Sonic Heroes affrontent le Egg Emperor à littéralement 2 mètres de distance sans se voir ni se poser de questions. Scénario. Voilà. Team Chaotix donc c'est parti. Yeah, let's go. La moulaga, tout pour la moulaga, évidemment, l'argent. Et c'est reparti à travers tous les niveaux qu'on a déjà fait trois fois et qu'on va devoir refaire une quatrième fois. En vrai, ça m'embête pas tant que ça pour certains niveaux. Yeah, big time. Now what are we gonna do? Bring it on. Ready. Alors du coup, voilà à peu près la mécanique en fait de la Team Chaotix, c'est que tu as ces espèces de fleurs dans tout le niveau qui te permettent de te téléporter de zone en zone. C'est vrai que par exemple si je prends celui-là, je me téléporte ici qui est en gros à peu près la fin du niveau pour la Team Chaotix. Et donc du coup, ce que je dois faire là, c'est récupérer 10 Bernard l'ermite. Me demandez pas pourquoi, moi non plus je ne sais pas, je sais que c'est une histoire d'évaluation de compétences, mais des Bernard l'ermite. Frère, tu veux t'en faire une salade de fruits de mer ou c'est quoi cette merde? Un Bernard l'ermite. Oh, let's go, a Bernard l'ermite. It's a Bernard l'ermite. Oh my god. Ah oui, du coup là c'est la première fleur techniquement puisqu'elle te TP de la... Ouais. Pour t'apprendre comment fonctionnent ces putains de fleurs. De ces mots. Here we go. Ah là là, et Vector. J'aime beaucoup comment Vector se joue. J'aime beaucoup la façon dont Vector se joue. De toute façon, j'adore les power characters de ce jeu. De manière générale. Un Bernard l'ermite. Oh my god. Oh putain, le molar. Oh le molar. Oh le molar. Je suis navré, je viens de cracher un molar de la taille de l'Empire State Building sur mon micro, c'est terrible. This is the Bernard l'ermite. En louperai-je un? Par ici, la réponse semble être à la négative. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des... Enfin, ils ont tous des pouvoirs. C'est que, notamment Espy, en fait, a un truc qui est très cool. C'est que si j'appuie... Alors, si j'appuie sur B, déjà, il sort un giga shuriken. Ce qui n'a aucun sens, mais c'est stylé. Mais c'est surtout, si je fais B en l'air, il devient invisible. Et en fait, les ennemis ne voient pas que je suis là. C'est un avantage non négligeable. Oh, un Bernard l'ermite. Oh my god. This is the Bernard l'ermite. Donc du coup, ça peut être vraiment très intéressant dans certains passages quand tu veux juste récupérer un truc et pas te faire chier à te faire bolos par un milliard d'ennemis. C'est bien de la jouer un peu stealth. Oh my god, another Bernard l'ermite. Oh, c'est incroyable. Incroyable.
Ah merde! Ah mais je vois rien! Ah bah oui, du coup, là, je vais les casser avec ça. Ah oui. Est-ce que ça marche? Non. Fuck! Et du coup, je suis mort! Let's go! Attendez, il y a un message dans le chat qui a pas été autorisé, probablement à cause d'un terme. Un terme à caractère pas top. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que le message? Il y a le mot crabe! Quoi? Attendez! Attendez, le bot, le automode de Twitch a détecté le mot crabe comme un caractère à... comme un terme à caractère sexuel. Le mot crabe. Ah ouais. Alors peut-être parce qu'en anglais ça veut dire un truc que je ne connais pas, et dans ce cas-là, d'accord, mais donc la super famille des Paguroidea regroupe les crustacés cécapodes. Des capotes, pardon, dont les plus connus sont les pagures ou Bernard l'ermite avec ou sans hache, qui ont besoin d'une protection externe pour protéger leur abdomen, mais cette super famille compte d'autres espèces portant des noms vernaculaires différents, les crabes de cocotier et, selon certaines classifications, les crabes royaux. Les crabes de cocotier dont j'ai déjà vu des reportages et ces saloperies sont gigantesques. Les crabes de cocotier, ça peut faire jusqu'à 1 mètre. C'est énorme. Un peu comme ma bite, non pas du tout. Non, du coup c'est bien. Une fois récupéré, ils sont récupérés. C'est un avantage. Donc oui, the Bernard l'ermite. C'est beau. Enfin des, pardon, excusez-moi. Les crustacés des capodes. Ou des paguroidea. On peut les appeler les paguroidea, c'est quand même marrant ça. Oh mon dieu, attendez, y a-t-il un paguroidea. Un paguroidea. Ouais, par contre, je vais pas pouvoir les péter en fait, ceux-là. Ah, mais si, je suis con! Non, mais j'ai deux de cuits en fait. Parce que je sens qu'il y a un paguroidea. Ah putain, un paguroidea. Oh merde! Je vais y arriver. Non, il y en avait pas là. Peut-être de l'autre côté. Un paguroidea. Oh, mais j'y arrive pas! Oui! Un paguroidea. Ah bon, j'y arrive pas. Paguroidea. Je vais y arriver. Je vous le jure. Sur la tête de moi, je vous le jure, je vais y arriver. Je suis sûr qu'il y en a un là. Eh ben non, déception. Alors, trouvez-moi donc des paguroidea. Ah putain, j'ai... Oh oui! Un paguroidea. Oh, j'ai réussi! Ah, paguroidea. Mais c'est infâme à dire! C'est infâme à dire! Mais ça me bute de le dire. Enfin, vous préférez quoi, les Bernard l'ermite ou les paguroidea? Bon, les deux me vont. Je suis mort. Ah! Un paguroidea! Incroyable! Oh, c'est sûr, il y a un paguroidea là-haut. Ils sont en train de protéger un paguroidea! J'ai besoin de... Oui! Un paguroidea! Une pagaie! Aussi, ils avaient pagu... Ah mais c'est moins drôle des pagures que des paguroidea. C'est plus chiant à dire, c'est vrai, mais c'est quand même vachement plus drôle un paguroidea. Et mais en plus j'arrive à le dire. Alors est-ce qu'avec ce canon il y a possibilité de récupérer un paguroidea? Oh oui, un paguroidea. Incroyable. Et il a appris à vous laisser dans le cas le plus possible. Écoutez, ce soir, laissez-moi vous proposer un plat de mon cru. Une salade à partir de roquettes sur son lit de vinaigrette, accompagnée de ses paguroidea. Je suis un gamin, mais j'adore. Mais c'est bien, on apprend des choses avec ce stream, merci Pimax. Ah non, lui, il a pas le light dash. C'est vrai, il a pas le light dash, lui. Bravo. Il reste plus qu'un paguroidea.
Je me sens pas bien, je vais me coucher, désolé, profite bien du stream et amuse-toi bien, y a pas de soucis, mais Gemini fan, merci beaucoup d'être passé. Passe une très bonne soirée et puis remets-toi bien si ça va pas terrible. Ah, un petit doliprane avant d'aller se coucher et paf! Charmy, use thunder shoot to attack flying enemy. Here we go! Pa-da-pa! Let's go. Here we go. On va dire que faut aller là-haut. Ah non! Faut bien digérer, c'est pas gyroïde. Ah ouais, non mais les pas gyroïdea, faut bien les cuire parce que sinon la digestion se passe mal, c'est terrible. Hein. Let's go. Alors quand j'étais enfant, j'adorais récupérer les pas gyroïdea sur la plage, c'était exceptionnel. Ah, le dernier pas gyroïdea! Let's go! Oh putain, j'en ai plein le cul. Je suis vraiment le roi des cons. Hein. Putain de merde. Maybe this wasn't our day. D'ailleurs, c'est terrible. Ah bah non, attendez, si, c'est dans quel jeu Sonic qu'on affronte des Paguroidea en... en robot. Qui nous envoie leur carapace tel un missile. Ocean Palace. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer cette fois-là? J'espère des pas des... Oh, j'ai perdu. Ah, un chao. Oh putain, ouais. Ah oui, bien vu, putain. Il était en train de m'apprendre le fait que... On peut faire ça. Et là, regardez, paf. En toute discrétion. Let's go. Énorme. Ah, wow. Ok, c'est bon. Alors, de mémoire, il est planqué comme de la merde. Je sais pas pourquoi ça me dit un truc. Attends, est-ce qu'il... Non, il peut pas être là, ça c'est un glitch. Mais je me souviens qu'il est caché derrière un truc... De mémoire, il est caché, mais... Est-ce qu'il serait pas par là, par hasard? Comme de par hasard. Là, je sais plus du tout où il est, hein, on va pas se mentir. Let's go. Hop là, phase d'infiltration. Je m'infiltre sous vos ongles. Let's go. Oh putain, j'ai... Oh, je l'ai loupé. C'est loupère. La 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 la. Pardon. Excusez-moi. Où est-ce qu'il peut être? En fait, j'ai pas spécialement envie de le louper et de devoir faire des allers-retours. Quoique, il n'y a pas de truc pour faire d'allers-retours, donc je me dis, est-ce qu'il serait pas juste à la fin du niveau? Ça peut être une option, hein, parce que de mémoire, il y a des fois certains passages où il faut qu'on aille juste à la fin du niveau. Enfin, oui, plus ou moins, mais bon. Waouh! Oh putain, j'étais pas prêt. Non, mais pas lui. Mais pas lui! Ah. Ah là 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 là! Il est pas là. Ah non! Let's go! Ah non! Ça veut dire que ça va recommencer depuis le début du niveau et que je l'ai loupé. Mais monte dessus! Ça, c'est pas vrai. C'est ça? Non, on passe juste de l'autre côté. Wow, j'ai été très mauvais là sur le coup, je pensais qu'ils allaient me foncer dessus. Ok, oula. Le chao. C'est bon. Donc en fait, j'avais pas besoin de m'emmerder à essayer de regarder, il était juste en full ligne droite. No
complaint. Ah mais quand même, c'est pas mal. Pas mal. Plutôt rapide hein, quand même aussi les niveaux quand tu gères bien. Le premier niveau, on a un petit peu pris notre temps quand même, mais celui-là ça va, on a été plutôt rapide, ça va, c'est OK. Je pense qu'on va pouvoir aller loin quand même hein. Ah mon dieu, M boss. So, you're the ones who are playing games with my army? Sorry, just part of the job. That's the evil genius, Dr. Eggman. Doctor who? Yes, let me show you who I really am. Doctor Who? C'est... Is that a Doctor Who référence? Énorme! Oh là là! Et j'ai mes références à la pop culture, moi j'ai compris la vanne! Et je suis sûr que c'est une vanne en plus, je suis sûr que c'est une vraie vanne. Y'a moyen, hein. Aïe! Oh oui! What? Oh le truc, je lui ai... Wouah! Incroyable! Oh, cet enchaînement que je lui ai fait! J'ai fait brum brum brum, fin de l'histoire. Charmy, tu le connais déjà? Ah bah oui! Normalement, ils sont censés... Bah oui, Charmy l'a déjà rencontré dans Knuckles Chaotix, normalement. Oh putain! YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à partager les vidéos, à venir nous rejoindre sur Twitch de temps en temps, parce qu'en fait, on s'amuse énormément là-bas. C'est exceptionnel. Merci YouTube, des gros bisous, au revoir!